Salut tout le monde, ça se continue, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Le défi que je me suis donné pour les 10 likes sur la vidéo. Donc voilà le bunker abandonné, c'est ça? Ouais, un fort allemand abandonné. Donc je suis en compagnie d'un ami à moi. Je vais dire bonjour. Bonjour. et voilà, c'est comme ça, voilà. Allez, on y rentre. Donc avant, il était vraiment abandonné, il n'était pas coupé comme ça. C'est un petit peu compliqué à passer. Et on a une lampe aussi pour éclairer la... s'il fait nuit. Merci. Voilà. Voilà, c'est comme ça. On arrive là. Là, on arrive à l'intérieur. Voilà. Et ici, c'était une porte d'entrée. Comme on peut le voir. Ici, c'était pour stocker les munitions, à mon avis. Alors. Ici, c'est... Il y a des gens qui sont passés là-dedans. Tu vois ? Ici, là, à mon avis, il se mettait ici, il pouvait tirer par là, là. Et ici, c'était un stock de munitions. Par contre, c'est rempli d'herbe. C'est rempli de terre, c'est... Il a été enterré, là-bas, il y avait un chemin. Vers là-bas, là. Ici, il y a un trou. Là. Un trou qui mène à l'autre côté. Je suppose, hein. Alors ici, on arrive vers la cuisine. Personne ne sait où on regarde parce que c'est jamais. Il va y avoir tout le temps des gens. Donc ici, c'était le stock. Ici, on peut voir que c'était bien... comme on dit déjà, la cuisine. Parce qu'il y a les carrelages encore. Des débris. Ici, on peut voir qu'il y avait un évier avant. Ici, c'était des tables. Voilà. Ici, c'était les sortes de petits frigos qu'ils avaient avant, à la guerre. Comme on peut voir, là-bas. Là. Donc, on arrive... dans un autre truc, là. C'est une salle, à mon avis, c'était... là où ils faisaient tous les rendez-vous et tout. Ça doit être ça. Par contre, ça résonne pas mal. Et il y a des pétards. Un sac poubelle. Voilà, c'est une grande salle. Attention à toi. Grande salle, voilà. Très très grande. Alors, par contre, il y a des gros trous. Donc là. Ah oui. Ouf. Donc ça, en fait, c'était un truc de ventilation, je crois. Pour qu'ils aillent de l'air. Ou ça, c'était une sorte de chaudière qui a pété. Et ici, c'était le trou, là où ça nous emmenait. Alors, attention, ici, un petit bout de ferraille. Merde, pourquoi t'écarpues, toi? Pourquoi il écarpue? Mais dans le noir. Merde. Je suppose... Attends, je coupe. Donc voilà, rue, c'était la petite coupure. Donc ici, c'était un bout de ferraille et tout. Avec des canettes et tout, t'as des sprays. T'as tout, ça nous mène de l'autre côté. Voilà. Ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'impact de balles, enfin je suppose. Ici, c'était une ancienne porte. Et ici, c'est une douche. Enfin, je suppose. Et je monte. Ah oui, c'était une vraie douche. Hein. Pourquoi j'ai pas... Ah si, je suis au tri là. Il y a des trous, mais par contre j'ai pas vu trop. C'était de l'aération et tout. Voilà. Nickel. C'était vraiment petit, les douches avant. Donc ici il fait jour. Ça là, je vous avais pas montré la salle. C'est une autre salle comme celle de là-bas là. Tu vois, c'est pareil, c'est enterré. Des déchets partout. Plafond, c'est énorme. Un bunker comme ça, abandonné. Ça se fait plus à cette époque-là. Et là, on sort. Et là, on peut voir aussi la porte qui est complètement déglinguée. Qui... Ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Et là, on sort du bunker. Et ici, il y a une montée. Est-ce que tu crois qu'on peut monter? C'est chaud. Et regardez ce qui est marqué. Avec le petit également là.
J'arrive pas trop à lire. On essaye? On essaye de monter. Ok. Hop là. Hop là. Là, on arrive sur le bunker tout en haut. Ça fait du four. Après, on monte. Là, on est sur le bunker complètement. Voilà, donc ici, c'est des... Ça fait partie du même bunker ou c'est des autres? Ah, c'est la même chose. Donc c'est du même bunker quoi. Ici si on fait le tour, là c'est pareil. C'est des sortes d'aération pour les trucs basses. Par contre c'est rempli d'orties. Hein. Enfin de ronces. Ouais. On va retourner en arrière. Là-bas il y a une grosse éolienne. Là aussi des autres bouches d'aération. Voilà. Je vais essayer de filmer là le devant pour voir. J'ai filmé le sol. C'est pas grave. Voilà. Donc c'est comme ça. On est tout en haut du truc. Voilà. Et ici c'est les aérations. Et au-dessus il devait y avoir une tourelle, je sais pas, un truc comme ça. Dans ce genre. Ici par contre c'est vraiment rempli de ronces. Et là-bas aussi, là-bas c'est là où il y a la cuisine. Je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas c'est là où il y avait la cuisine. Et puis voilà quoi. Bah, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker parce que je l'ai fait quand même pour vous. Hein. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'est Asquakini.